Bonjour à tous, voici le dernier épisode avant les vacances, l'épisode 28 des Berniques hurlantes dans Stellaris. Bonsoir à tous, c'était Camon pour vous. Et aujourd'hui, on va y aller en mode YOLO, puisque nous avons fait la paix. Quoique, hop, attends, je me souviens que j'ai fait une guerre. Et il me reste 104 jours. Ah, c'est mort. Parce que maintenant qu'on a fait la paix, je pense que je peux l'envoyer. Voilà, et il va mettre je ne sais pas combien de temps. C'est marrant ça, je suis sûr qu'il me le dit quelque part, mais il y a tellement d'informations. Bref, j'espère que vous allez bien, et on va continuer un petit peu avant de se retrouver du coup le lundi 30 juillet, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait ce choix de faire une pause, de ne pas tourner en off, parce que je veux faire cette partie avec vous quand même dans vos commentaires. Alors, deuxième commentaire, Richcrew m'a dit, pourquoi t'appellerais pas à cette flotte, cette nouvelle flotte qu'on fait à Zambor? Alors, j'ai un peu peur de les attaquer, ça serait bien aussi d'avoir un retour par rapport à vous. Si je les attaque, est-ce que je risque pas d'avoir des problèmes avec la nation déchue militaire? Quoique je vois là-bas, Mictor Grid, ils sont collés. Ah ouais, ils sont collés. Donc on va la renommer, ce ne sera pas l'intrépide. Ça va être la marée, alors c'est très gênant pour moi, mais je vais expliquer pourquoi. La marée rouge, Richcool. Ça va être la marée un peu sanglante. Alors je vous explique pourquoi ça me gêne un petit peu, parce que nous sommes en temps de paix. Et en Bretagne, en breton, on a une chanson qui s'appelle Malros. Le mal rouge, en fait, c'est par rapport aux Français. D'accord, vous voyez un peu les conflits à l'époque, fort monté loin. Donc c'est vrai que maintenant, on l'utilise plus trop. Bon, je n'ai pas encore de général. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris une doctrine qui me donne des personnalités en plus. Et qu'on cherche aussi le soi collectif. Plus 2 personnalités, moins 1% en recrutement de personnalités. Ça, c'est bien. Et là, je lâche un peu et on y va, tranquillou. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un. Ah, en personnalité ou en planète et secteur. Planète et secteur. On a donc notre gouverneur junior, Samuel Junior Estevez. Mais j'ai un autre gouverneur qui n'a pas de nom. Eh bien, on va le renommer. Non, c'est pas toi. System survey complete. C'est le gouverneur de Vanai Prime, le secteur Vanai Prime. On va l'appeler le gouverneur Junes. Si je me dis pas de bêtises... Junes... Oh là là là, excuse-moi. Toons J, bienvenue à toi, Toons J. Bienvenue dans la partie. Et d'ailleurs, tu as les qualités intéressantes, puisque tu coûtes moins cher en bâtiment, tout ça. C'est bon. D'ailleurs, on fera le point avant de se quitter. Qu'est-ce qui restera comme nom à donner avant la fin du mois, si vous avez envie d'être... Alors, système reconnu. Ok, on s'en fout. Ici, on va s'occuper un peu. Plein de bonnes choses. Et on va faire des stations de recherche sociétale ingénierie. On est rendu à 128, 140, c'est de la folie. Mais j'ai besoin de faire de la recherche, car on a élu notre nouveau leader qui demande 4 stations de recherche. Alors, qui est le nouveau leader? J'ai oublié, évidemment. Whipsell. Eh ben, il faudrait le nom de ce leader-là. Il va falloir redonner aussi celui-là. Bon. Un autre vaisseau. Aussi. Allez, fais-moi de l'ingénierie. On est riche, tu vas me faire aussi minier. Et là, on a un problème, revendication. C'est bon, ils revendiquent tout, eux, là, faut qu'ils arrêtent. Tant pis, ils me cherchent. Avancer des revendications. Alors, ici, on a pris. Ça, c'est bon. Ça me coûterait 70. Donc, on a tout le secteur que je veux. Voilà, et on va aller jusqu'à Airbus, je pense. Ce qui va m'obliger à envoyer des flottes quand même. On va bouger. Blizzard, 4000. La flotte sauvage, Mic de Terre, 3900. C'est pas assez. Upgrade. Allez, on va upgrader. On avait gagné le super canon. Tile blocker cleared. En même temps, j'ai bien envie de bouger le déluge. Our ships have been made superior. On a une station à Zargon. Ouais. Altaïr, on peut rien faire. Quand on regarde, c'est là qu'il faudrait aller. Pause. On va devoir se faire une station encore. On peut augmenter grâce au secteur, on a baissé en stock. Allez, en port stellaire. Et quand ce sera prêt, on enverra le déluge, je pense. On bougera tout ça le moment venu. Rivalité en Panaxala et Sinicron. Micron Divine Order, les religieux, flotte améliorée. Oui, c'est bon. On va prendre un peu de nos vaisseaux de construction. Du coup, ça me bloque un peu ici.
La station de Darep. Je veux la voir. Durbus, Zarkon. Zambor. Voilà. Forteresse stellaire. Ordinateur, 3 plateformes. Et il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Ok, ok. Ça commence à être bon, hein. Alors, la marée rouge, gestionnaire de flotte. Le canonnier, le croiseur bélier. On voit construction complete. Bon, je suis quand même plus puissant avec ce que je configure moi-même. On va te monter à 15. Voilà. Et du coup, la marée rouge, on est à 146-179. Renforce-toi. C'est parti. On avait du matos, on est bon. Alors, on a ce petit vaisseau qui s'ennuie. Mais là, ça travaille. On va le laisser. Et on a des colonies en cours. On a des colonies qui vont se faire. Ah ouais, il va là, lui. C'est des réchétis qu'on a réussi à capturer grâce à notre guerre. Et ouf, on a les jubarons qui vont aller... Ah, ils vont aller là. Ils vont prendre le portail, ils vont se passer, on voit le trait violet. Et hop, ils vont arriver ici. Alors par contre ici, ce qui est bien, on a le monde tropical et le monde océanique. Sur Jaltam, qu'on a appelé Fondation. Et à Darret, on pourrait coloniser aussi. À Darret, ça m'intéresse. Construction complete. 11 en monde océanique. On pourrait envoyer des berniques hein, quand même. Hein. Il n'est pas vilain, vilain. Allez, il faut coloniser d'Océania, de la capitale. Allez, Darep Prime. Et on verra, après, on verra comment on baissera. On se fait insulter. Votre espèce semble devenir plus rapide à mesure que le temps passe, Bernic. Construction complete. Ok. Et eux, ils sont où? Ouais, bon, il y a un portail à côté, mais c'est pas grave. D'ailleurs, la station qui bloque ici, la station de Osphir. Trou de verre naturel. Canon. Ancrage. Construction complete. Carrefour commercial, on peut. Je ferai une autre batterie de canon que ça me démange. Carte d'équipage, on verra après, je vous avais dit aussi. Construction complete. Voilà, donc là on s'est fait insulter. Vous empestez, oui, bon bah toi tu m'insultes, on s'en fout aussi. Rivalité. Mitron Divine Order, Mictor Grid. Alors Mictor Grid, ceux qui sont au-dessus. On est équivalent, niveau technologie équivalent. Our ships have been made superior. Et on va demander si on peut faire une convention de recherche. Oui! Allez, on confirme pour 30 ans. Ouais. Et d'ailleurs, pause. Je les adore, ils sont sympas. Je voudrais revoir un peu l'enclave des conservateurs, communiquer. Ah, ils demandent 3000 maintenant. Punaise. Allez, tous ceux qui m'aiment. Le Divine Order, monarchie théocratique. Bon, ils sont sympas avec nous. Allez, on va faire de la recherche avec eux aussi. Ah, pas mal. Un traité migratoire, on pourrait. Moins 92. Pourquoi à tout amical. Ah, nous sommes des. On peut exiger un tribut. Bah ouais. Élitis décadent. Bon, on a déjà ce qu'il faut avec eux. Des reptiliens, explorateurs érudits, eux, ils me plaisent. Ah, il faut refaire. Ah, il y a déjà une fédération! Non, ils veulent pas, décidément. Communication.
Voilà, ça il veut bien, on s'en fiche, on connaît maintenant. Un lien de capteur actif, qu'est-ce que t'en penses? Construction complete. Sur 30 ans. Ouf, ça coûte cher ça. Non, 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 non. Il n'y a rien à faire. Laisse tomber. Avec toi, on ne peut pas. L'esprit de ruche. Alors, eux, ils sont en fédération, le Polyf des Lacs. Ah non, ils sont en guerre contre Zidorien, Mandate et Alan Entity. System survey complete. Ça me semble un peu bizarre. Bon. Conscience, esprit de ruche. Capacité navale supérieure. Ouf. On va pouvoir faire quelque chose ici. Oui, on va faire un peu de recherche avant de partir System en vacances quand même. Complete. Ah, moi je suis radin. Hein. Allez, pour 30 ans aussi. Ça c'est cool. Eh oui, c'est bon. C'est très bon. On continue. Ah, c'est quoi eux? C'est un vassal. Bon, on s'en fout. On doit pas le voir, c'est normalement. Une plantoïde, croisée de la démocratie. Par contre, en technologie, ils sont bons. Ah, il est pas d'accord. Il veut bien prendre mes technos, mais il est pas d'accord là-dessus. Pareil, on va la guicher un peu, confirmer. Voilà. On va donc faire un lien de capteur actif. Et là, je pense qu'on peut faire encore quelque chose. On a encore de l'énergie. Si je te donne 100... Oh, il me coûte cher, mais bon... Allez, sur 10 ans. Ah, il me coûte une blinde, quand même, cela. Et une techno, condensateur de bouclier, enfin. Réacteur, antimatière, labo de physique 2. Bouclier avancé. Observateur de trous noirs. Ah oui, ça donne un bonus en physique, c'est énorme. On a fait le condensateur, on va attendre pour le bouclier. C'est pas si important que ça. Et du coup, on peut revenir ici un peu. Alors. Il ne faut pas que je laisse des choses comme ça se faire. Un avant-poste ici. Ici, qu'est-ce que tu peux faire? Ah. On va se déplacer là, ouais. Pareil ici, maintenant, on est bloqué. On est bloqué, il va falloir attendre un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Ce qui me fait dire que j'aurais peut-être besoin d'un vaisseau de construction ici. Est-ce que j'ai une planète dans le coin d'habitable? Ah punaise, j'en ai là aussi, hein. Je crois qu'on est parti pour faire des secteurs, hein. Monde tropical, monde continental. Alors. Tropical, ok. Le continental est pas mal. Il a un malus, habilité moins 10. Verrouillage gravitationnel. Il présente toujours la même phase, d'accord. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut envoyer en continental? Bon, eux, c'est les océans, c'est pas la peine. On va voir les dernières colonies. Ah bah, eux, ils aiment bien. On va t'envoyer là-bas. Allez. On a encore beaucoup. On va faire justement les deux. Monde tropical. Donc non, c'est montagne. Ah ouais, je n'ai pas de tropical. Donc on laisse tomber. On va tout mélanger. La Panaxala Unified System. Nous n'avons plus de raison de vous tenir à l'écart de notre espace. Ah bien. Croisée de la démocratie. On peut se refaire une convention? Non, il veut toujours pas. Bon, ça l'a détendu. C'est déjà bien.
Alors, la vie civilisation, cool. Ouais, deux secondes. On est où là? Ah, on est ici. Ok. Donc tu me demandes de crédit énergétique. Ah ouais, bah t'as accepté. C'est pour ça que t'es détendu. Ok. Ma foi, c'est pas mal. J'ai un vaisseau scientifique qui s'ennuie ici. Station de Durabius. A new conflict has erupted. Sachant que j'ai celle-là qui est pas mal aussi et que eux, on va les écraser. On est à 15 sur 15. On va faire une batterie de canon. Ancrage. Ouais, ok. Alors oui, on avait dit qu'on allait améliorer nos stations. La marée rouge. Eh ben, il faut que tu augmentes, hein. Ah, attends. Tu trouves où, toi? À Zambor. Est-ce que Zambor a un chantier spatial? Canon, ancrage, ancrage. Voilà, et on va faire un chantier spatial. Bon, ça vient d'un peu plus loin, c'est pas grave. On est à 240. Et moi, j'aimerais reprendre un peu le commerce. La station de Vanna. Silo stockage, carte d'équipage. On va faire la commerce... Ah voilà, la compagnie commerciale extraplanétaire. C'est parti pour toi. Pareil à Omicron Persei. Carrefour, chantier. Construction complete. Ah. Il y a des belles choses qui arrivent. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien pour toi. Ah, Zarkon Prime. Zarkon Prime, c'est là-haut. Ah oui, quand même. Capitale planétaire. Est-ce qu'on a un bastion? On n'en a pas. Améliorer. Bastion 255. On va accélérer un chouïa. Allez. Il y en est redescendu à 200 minerais. Hein. L'entretien des vaisseaux, c'est une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Agitation. On est à 50. Donc... on va peut-être faire des robots. Tu vois, j'ai fait le bastion, je t'ai écouté là-dessus, Rouge Cool, on est d'accord. J'ai un robot qui est là, un robot qui va arriver ici. C'est déjà pas mal. On a les armées. Est-ce que le dôme a été fait? Tiens, dôme du paradis, il est là pourtant. Décret, loi martiale. On pourrait le faire, mais je n'ai pas l'influence pour. Bon. À surveiller, c'est pas grave, c'est une nouvelle conquête, c'est normal. Ah, elles sont où toutes ces flottes, là? Scientific breakthrough achieved. En théorie, je devrais plutôt les emmener à Altair. On aura une flotte comme ça. Et une techno, oui! Propulseur à plasma. Une forme de propulsion électrique avancée. Cool! Merci, Johan Junior! Trucy, point de vocation pour les robots plus 1. Post-combustion améliorée. Vitesse de combat plus rapide. Armée robotique d'assaut, droïde. Détails sur les portuelles et blindage du racé. Comme on entend de paix. 107 mois. Ah ouais, je veux bien. Allez, on est parti. Technologie rare. Problème de recherche, on est à 3 sur 4. On va pas les marquer, on peut pas, on est chez Brickettity. Et pourquoi je ne peux pas faire une station scientifique? Ça aussi, c'est une question. Bon, allez.
Ah, on peut marquer enfin. Ça, c'est bon. Et vous me le faites où, le labo scientifique, là? Il est là. Il y travaille. Ok. On est en train de faire ça. Donc, on va se faire des labos scientifiques ici. J'espère que ça va suffire. Et j'en ai un qui s'ennuie, qui est là, évidemment. Mais bon, il stationne pour les combats. On est ok. Bien! Écoutez, c'est pas si mal. Rivalité Ezucar Multitude contre la Silicron X-Tripators. Construction complete. Alors j'en ai deux là. Changement éthique, ok. Alors je reviens à Orim. Non, c'est pas Orim. Où est l'observation? Punaise, je suis sûr que c'est Orim. Construction complete. Il y a un truc qui est bizarre quand même ici. On va se refaire un vaisseau de construction. De toute façon, je vais l'envoyer dans le nord, développer après. Ok, on pourra débloquer ça. En nourriture, on est bon. On va débloquer des minéraux. Ah, on n'a plus les moyens. Ça coûte combien? 400! Et scientifique, c'est bon. Construction complete. Mais je peux pas. Je ne peux rien faire. Construction complete. Alors on reprend, c'est très bizarre. La construction d'une station orbitale de recherche pourrait nous permettre d'en apprendre plus. Donc je l'ai. Station minière, station base spatiale. Construction complete. Et alors? Ouais, c'est très bizarre ça, je comprends pas, vraiment. Non, il veut pas, c'est pas grave. Du coup, on va t'envoyer, toi. On va t'envoyer bosser. Allez, ouf, ça te fait taffer un petit peu. Construction complete. Programme scientifique tenu. 760. Et on a, ouf, moins 7 d'énergie. System survey complete. Il va falloir faire de l'énergie tout de suite. Je t'ai perdu de vue. Tu es là. 3, 4, 2. Je pense que je vais t'envoyer là. Parce que... Regardez-moi ces ressources. C'est énorme. Allez, il faut faire de l'énergie. System survey complete. On verra plus tard les minéraux, mais là c'est l'urgence. Adarep, on est remonté à 58. Donc, est-ce que je peux... Voilà, c'est parti. Très bonne gestion, relax. Bon, là, tu sers à rien, en fait, toi. Et on est remonté combien ici? 161, 8 sur 10, 15, 15. On est bon. We have established a new planetary base. Oui, nouvelle planète. Alors, là... On peut aller directement planète et secteur. Qu'est-ce qui se passe? Vanna Prime, Continental, non, c'est bon. On la voit pas, celle qui se fait. Tiens, c'est marrant, ça. Priorité équilibrée, gestion du secteur, ça c'est vu. Construction complete. Bah écoutez, c'est pas grave. On va faire un petit tour. Tu demandes plus de production de minéraux. Je suis d'accord. Ici, on peut encore faire quelque chose en physique. Ou alors,
un générateur de bouclier. On va voir un peu si on le voit. On est sur Océania, la capitale. Eh ben, on va se faire le générateur bouclier. En plus, on gagne 3 en physique, 3 en ingénierie. C'est parti pour la capitale. Un petit tour ici en minéraux, on est d'accord. On est gorgé de pognon, de toute façon, en minéraux, c'est de la folie. Énergie, oui. Et tu me dis que là, certaines pop sont inoccupées. Ah, mais oui. Dôme du paradis, voilà. 30 heures prime, allez, on fait le tour. On va booster ton réseau minier, je pense. Plus 10%, moi je suis d'accord, là, on va faire le truc comme ça. On augmente ici. C'est parfait tout ça. Ah, le Dôme du Paradis a déjà été fait ici. Et on est à 30 heures prime. Un bastion, ça serait bien aussi. Biolaboratoire. Ok. Capital. On peut déblayer. On va déblayer un peu. Est-ce que je fais forcément de la nourriture ici? Je ne sais pas. Je vais peut-être le mettre ailleurs, lui. Alors, on va dire plutôt, voilà. Il fait une centrale. Avral Prime, minéraux, énergie. On va déblayer. Ici, on a plus 400 d'énergie. Punaise. Osphir, oui, pour l'unité. Est-ce qu'on peut Dôme du Paradis, 170. Allez, on va se quitter. De toute façon, il va être temps. Dernier épisode de la saison. Je finis le tour des planètes. Zarkon Prime. Tout va bien, Zarkon Prime. Là aussi, ça coûte une blinde. Ah, il va falloir déménager tout ça. Ah, et une nuque. Donc, une nuque, c'est bon. On y est enfin. On est où exactement? Bien. Bien, ils sont contents, eux. Une ferme. Le dôme 170, c'est... pourquoi je le fais pas? D'accord, administration planétaire, on n'y est pas encore. C'est pour les grosses capitales. Et on va même te construire un robot. Bravo à toi, Unuk. Voilà, on a 9 sur 10. Non, pour l'instant, non. Caspadem Prime. Ah, on pourrait faire un générateur ici. System là, oui. Survey complete. Centrale, oui. Le robot, c'est bon. Non, bah, c'est pas mal, hein. On est qu'à 196, là, ça descend vachement. Maintien de la flotte 236 quasiment. Ah, capteur sur spatio, oui. Rôle de combat avancé. Accélérateur de plasma hyper propulseur 3. Capable de se faufiler dans les sillages subspatiaux présents au sein de l'hyperespace. Une amélioration notable des performances de propulsion. Gardien de défense rapproché. Disrupteur phasé. Ouf. Là, c'est un peu ambigu. C'est bête. Lancer projectile de plasma à haute énergie. Ça pique, hein. Ça pique, ça me plaît. Une arme. On est bon, on est parti dessus. Donc là, si j'ai cette case-là, parce que quelqu'un s'ennuie. Et ils sont tous pourtant... Allez, pour la gloire. On peut pas faire le bastion, non, on a tout dépensé de toute façon. Ah bah écoutez, c'est pas si mal que ça, on va arrêter ici. Voilà, et on se retrouve, comme je le disais, le lundi 30 juillet. Alors, ce qu'il faudra,
Là, on a fait un peu de gestion tranquille aujourd'hui. On s'est pas embêté. Il va me manquer des personnalités. Je voudrais un scientifique dans la recherche physique. Donnez-moi un nom. Non, c'est Evidark. Excuse-moi, j'ai rien dit. Oh, mon Dieu. Le ISS Crustabri. Voilà. Qui était au ISS Crustabri? Je n'ai plus personne. Pareil, direction sociale, un scientifique. Donc, il me fera deux scientifiques. Un amiral, Jerry Schickel Jr., Mick de Terre. Issei Junior est mort. Ah bah Issei, quel nom tu veux, et deux scientifiques. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. Nous sommes en l'an 2304, tout va bien. On verra ce qui se passe et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.